وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Aïcha radiallahu anha rapporte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est appliqué du khul ou du ismed pendant le mois de Ramadan alors qu'il jeûnait, mais ce hadith est faible. D'ailleurs, Ibn Majah, il l'a rapporté avec une chaîne de sang transmission faible, et l'imam Tirmidhi a dit, il n'y a rien d'authentique qui a été rapporté dans ce sujet, dans le fait de mettre du khul ou non. Donc la base, c'est que c'est permis. Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah a dit, le khul est permis aux jeûneurs, qu'il s'agisse d'un jeûne surérogatoire ou obligatoire, et qu'ils en sentent le goût dans la gorge ou non. Ceci, car si on dénombre ceux qui invalident le jeûne, nous ne trouvons pas le khul dedans. De plus, l'invalidation n'est pas liée à ceux qui parviennent à la gorge, mais au ventre. Parce que ceux qui disent qu'on ne doit pas utiliser le khul pendant le jeûne, ils disent car on peut en sentir le goût dans la bouche ou dans la gorge. Certains savants ont donné l'exemple, il a dit parfois il y a certaines huiles, quand on se masse même la peau avec ou même le pied, on en sent le goût dans la gorge. Mais ça n'annule pas le jeûne. Ce qui annule le jeûne, c'est d'entrer de la nourriture ou de la boisson ou quoi que ce soit par les orifices naturels par lesquels habituellement on boit et on mange, ou bien que la boisson et la nourriture puissent entrer, la bouche ou le nez. Par contre, si ça rentre par les oreilles, quand on met des gouttes dans les oreilles ou des gouttes dans l'œil ou quoi que ce soit, cela n'annule pas le jeûne.